Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter un outil vraiment super puissant qui est gratuit et proposé par Yonos, c'est DeployNow. Ça vous permet de déployer vos sites web statiques et applications PHP directement depuis GitHub sur une structure d'hébergement. Après un commit Git, le code est généré et va être envoyé directement vers ce serveur. Vous avez donc trois sites statiques gratuitement et vous pouvez en ajouter d'autres ou des applications PHP avec un abonnement mensuel. On ne va pas perdre de temps et aller directement sur l'ordinateur. On se retrouve donc sur la page DeployNow de Yonos. Donc il vous suffit de vous inscrire gratuitement. Vous pouvez rentrer votre compte Yonos que vous utilisez déjà ou en créer un autre. Donc c'est bien 0 € par mois. Une fois que c'est fait, on se retrouve sur notre espace Yonos. Donc juste ici, vous avez votre bouton DeployNow. Comme j'ai déjà testé avec d'autres projets, ils apparaissent ici. Et donc pour la première fois, vous allez avoir cette page. Vous pouvez choisir directement vos dépôts GitHub ou sinon depuis un template proposé par Yonos. Et je vais utiliser le framework Gatsby. Je vais appeler Florian Portfolio. On passe à l'étape suivante. Donc le starter pour les projets gratuits. Il va détecter la technologie ainsi que la commande pour lancer la construction du site. Il vient donc chercher le code sur le GitHub Yonos DeployNow et il va l'installer sur notre GitHub à nous, ce qui nous permet ensuite d'éditer notre code et de pouvoir personnaliser notre site, donc c'est le but. Et on lance la création du projet. Ça prend quelques secondes et notre site est en cours de déploiement, donc il faut quelques minutes pour la création. On peut donc voir ici l'URL de prévisualisation. Vous pouvez connecter à votre propre domaine ou en acheter un. Et on va se rendre sur GitHub avec ici Florian Portfolio qu'on vient de créer il y a quelques secondes. Vous pouvez retrouver dans le README toutes les informations et le bouton DeployNow. Mais avant ça, le temps que notre site soit déployé et on se retrouve dans une minute. Voilà, notre site est donc maintenant en ligne. On a un petit aperçu juste ici. Et si on clique sur l'URL, on voit directement le site dans notre navigateur. On peut naviguer, donc c'est en live, c'est vraiment pratique. Maintenant, le plus important, c'est de pouvoir aller éditer notre code. Donc on va retourner sur GitHub, on va copier l'URL de notre dépôt. J'ai créé un dossier Florian Portfolio juste ici qui est vide. Je vais donc utiliser Git. Je vous invite à aller voir des tutoriels sur YouTube si vous ne connaissez pas Git. Donc je vais cloner à partir de l'URL de notre dépôt. Et donc là, nous avons notre site en local sur notre machine. Je vais aller chercher Visual Studio Code pour ouvrir nos fichiers. Je vous invite également à aller voir des tutoriels sur YouTube si vous avez besoin pour Gatsby. On n'aura pas le temps de le présenter plus profondément ici. Je vais aller sur page, index, et donc on a du texte en anglais, je vais tout simplement l'écrire en français. Bienvenue sur mon portfolio, déployé avec Yonos DeployNow. On pense bien à enregistrer. Et maintenant, on va reprendre notre terminal avec Git. Et la fonction intéressante, on a donc notre domaine principal et on peut utiliser un staging pour travailler nos modifications, qu'elles ne soient pas en live sur notre site public. Pour notre environnement staging, on va donc créer une nouvelle branche avec Git checkout -b que je vais appeler new text. On est donc sur la nouvelle branche new text. Je vais agrandir la fenêtre. On va lui donner un git statut. Donc on a notre fichier modifié index.js. On va lui donner toutes les modifications. Et enfin, on va faire le git commit avec le message new text. Et enfin, git push.
Maintenant, si on retourne sur notre dépôt GitHub, on voit qu'une nouvelle branche a été créée. Et on peut voir notre changement. Si on retourne maintenant sur DeployNow, on voit que nous avons notre environnement principal ainsi que notre environnement staging en déploiement qui est en construction. On se retrouve dans une minute dès que c'est prêt. Voilà, votre site est enfin déployé, enfin le staging. Nous avons donc deux adresses URL différentes. On peut les voir les deux en simultané. Donc là, c'est notre première adresse avec les mots en anglais. Et on a donc notre staging avec les modifications qu'on a apportées juste avant. Pour résumer, c'est vraiment super pratique comme outil. Vous pouvez déployer vos changements presque instantanément et automatiquement. Vous pouvez également montrer votre site à n'importe qui comme il est en ligne sur un serveur. Vous pouvez également utiliser un environnement de staging pour travailler en parallèle de votre site principal. Que vous ayez besoin de faire un site vitrine, un portfolio, même un site e-commerce, n'hésitez pas. Cet outil vous sera vraiment utile. Vous pouvez même connecter votre nom de domaine pour qu'il soit entièrement personnalisable pour vous. C'est donc la fin de cette vidéo. Elle a été sponsorisée par Yonos et chez Coder, nous on valide totalement. On espère que ça vous sera utile et on se donne rendez-vous pour de prochaines vidéos ou sur le blog. Salut !